Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ou en ce début de vacances. Alors pour bien commencer ces derniers et dernières, je vais vous parler aujourd'hui et du moins je vais vous emmener aujourd'hui dans une spéciale rétro. Donc nous allons faire un petit bond en arrière, un bond de 28 ans et nous retrouver donc en 1988, voilà, donc 1988 où donc la collection Headmaster faisait un petit carton. Alors moi je me souviens, alors je me souviens pas personnellement du dessin animé sauf plus grand quand je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Mais je me souviens surtout des boîtes, parce que c'est vrai que les packagings étaient super alléchants. En général, les robots dessinés donnaient toujours hyper envie par rapport souvent aux produits qu'on avait à l'intérieur. Mais voilà, quoi, je bavais devant cette gamme. Alors, j'aime beaucoup les Headmasters parce que la particularité, c'est qu'ils ont des têtes amovibles. Donc, ce sont des pilotes en fait, pour faire simple, ce sont des pilotes qui ont une combinaison, une exosuite. Cette combinaison leur permet de se transformer en tête et donc de prendre le contrôle en fait du véhicule qu'ils pilotent et de devenir en fait la tête de ce dernier. Voilà. Pour l'explication, j'espère que tout le monde a suivi. J'en vois un dans le fond qui s'est endormi. Voilà, donc sans plus tarder, donc je vais laisser le grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus. Voilà, moi ce que je peux vous dire pour le moment, donc c'est qu'il s'agit d'un Autobot et donc pas de n'importe lequel, parce que voilà, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Donc il s'agit de notre ami Nightbeat. Voilà, allez, peut-être à tout à l'heure, sinon tchuss les petits amis. Voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du Headmaster Nightbeat G1. Voilà. Que voici, que voilà. Alors, petit réglage de la caméra rouge. Voilà, donc petit EF, voilà, petite EF que je dois en grande partie à mon pote Frédéric. Voilà, je ne donne pas son nom, mais il se reconnaîtra. Voilà, j'ai fait un petit deal avec lui et en échange, donc j'ai eu ce Transformers. Et comme ça faisait des années qu'il était sur la liste sur ma liste des must-have, bon bah voilà quoi, je suis super happy. Donc merci Fred, merci mon poteau, merci infiniment. Je suis hyper ravi, tu ne peux même pas imaginer. Donc voici devant vos yeux donc notre G1 Nightbeat. Alors oui, ça surprend un petit peu parce que contrairement au premier G1 qui était fait de métal assez fin, plus petit et en die-cast avec des styles et des couleurs plus réalistes. Là, on avait un jouet, que ce soit en termes de couleur ou en termes de volume et de présentation, qui pour moi aujourd'hui, on pourrait le comparer un peu à un jouet play school. Voilà. Petite particularité de ce jouet, c'est que en fait, c'est un jouet qu'on n'a pas vu dans beaucoup de gammes. Il n'a pas été souvent représenté. Il y a eu un repaint de lui en Deluxe, voilà, un repaint du Hotshot Energon qui était sorti en 2008. Ensuite, on a eu dans la gamme Generation IDW, on a eu également le droit à un repaint de Bi. Alors, je ne possède aucun de ces deux-là, tout simplement parce que pour moi, Nightbeat est un Headmaster, donc j'aurais voulu retrouver ce gimmick-là. Ce gimmick n'y étant pas, je n'ai pas pris ces deux derniers, aussi bien soit-il. Et puis, on a aussi le droit cette année, dans la gamme Titans Return, voilà, le retour de Nightbeat, mais non plus donc dans une forme de véhicule. Mais dans une forme de Legend, donc un mini Transformers de quoi 4-5 cm, hein, c'est encore si je dis ça, je suis généreux. Voilà, donc un petit quadruple changer, donc j'aurais voulu un véhicule, enfin retrouver une voiture, un peu comme Hardhead et les autres, malheureusement, bon, c'est pas le cas, donc
Un peu déçu à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour l'aparté. Donc on va revenir à notre ami donc Nightbeat G1. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit donc d'une Porsche 950 bleue et jaune. Voilà. Pilotée par notre petit Headmaster. Alors, voilà. Focus, monsieur Focus, merci beaucoup. Que voici, que voilà, donc qui s'appelle Muzzle. Voilà. La petite particularité, donc, comme je vous disais, des Headmasters, hein, c'est qu'on a le pilote, donc qui pilote le véhicule et qui se transforme, donc, comme vous pouvez l'apercevoir ici au dos, donc qui se transforme en tête pour intégrer donc le véhicule une fois transformé. Voilà. Donc, le petit pilote que voici, que voilà. En termes d'accessoires, nous retrouvons également, voilà, ce qui vient former à la fois donc son fauteuil, son siège pour le mode alternatif en véhicule, donc pour intégrer le cockpit. Et puis, donc, nous avons également ces deux petites pièces, voilà, qui sont tellement petites. Ouais, je pourrais pas faire mieux en termes de focus. Alors je vais peut-être retirer voilà, notre Nightbeat en arrière-plan. Voilà. On verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc ces deux petites pièces-là, en fait, donc qui sont voilà, selon ce qu'on en dit, deux pistolets photons. Voilà. Et puis donc n'ayant pas son arme d'origine, donc le blaster à plasma. J'ai remplacé son arme par une arme de chez Iron Factory. Voilà, l'arme qui allait avec le City Commander de chez Iron Factory. Hein, l'avantage, c'est qu'on avait déjà à l'époque du port 5 mm. Donc voilà, c'est pas sa vraie arme, mais en attendant, ça lui fait quand même un gun. Alors, concernant la voiture, comme je vous disais, on a vraiment un look très, voilà, très play school, que ce soit au niveau des coloris ou de la voiture en elle-même. Hein, on peut voir qu'elle est quand même assez massive. Voilà, un petit 360. Donc, je ne sais pas s'il manque des autocollants. J'ai juste rajouté un repro label Autobots dessus. Bon, il y a quelques petites égratignures sur la peinture, mais voilà, elle est quand même dans un état général plus que correct, hein, au vu de son âge. Alors, elle roule, voilà, parfaitement bien. Hein, pareil, hein, pour son âge, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de grincement. Voilà, ça n'a pas rouillé, ça n'a pas bougé. Très silencieuse et très rapide. C'est une Porsche, voilà. Donc voilà pour le style, donc pas de grosses finitions, pas de détails de feu, ni rien, juste des stickers pour faire les flammes. Voilà, le minimum syndical, hein, comme on peut retrouver aujourd'hui sur les Transformers actuels finalement. Alors comme je vous le disais, donc nous avons ces deux petits guns qui peuvent venir, voilà, ces deux petits blasters à photons qui peuvent venir se pluguer sur l'avant du capot, comme ceci. Et puis donc nous avons le gun, voilà. Alors c'est pas le gun d'origine, hein, je le répète, hein, c'est un gun de chez Iron Factory. Hein, mais voilà ce que ça donne un peu pour voilà, pour avoir l'idée du G1. Voilà, je peux le retirer. Et donc petite particularité, comme je le disais, c'est qu'on a voilà. On a les cockpits de ces véhicules-là qui peuvent s'ouvrir. Et donc à l'intérieur, voyez, donc nous prenons le fauteuil. On prend notre ami Guzzle que l'on place en mode bot. On l'intègre dedans. Voilà. Donc là, il est placé dans son siège, hein, comme le dessin animé Super God Master Force, hein, mis à part que bon, c'est pas un homme, c'est une jeune fille qui pilote la voiture. Elle s'appelle, si je dis pas de conneries, Minerva. Voilà. Donc notre ami Muzzle dans le cockpit. Et voilà, aux commandes, prêt à l'athée du Decepticon. Donc on peut faire un petit comparatif. Alors j'ai pas énormément de Porsche dans ma collection Transformers. Faut dire que voilà, Porsche
fait du boudin en général, donc ils ne donnent pas si facilement leur licence et leur autorisation. Donc on peut faire un petit comparatif avec notre ami Jazz, un géant également, hein, et donc on peut se rendre compte qu'entre. Donc il était pourtant sorti chez Diaclone, hein, le tout début des années 80. Voilà, donc là on a notre Porsche, voilà, notre vieille Porsche de 76. Alors, je sais plus, ça doit être une Porsche 935. Et on voit tout de suite que, bon, bah voilà, au niveau de la finition, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, quoi. On a l'impression que, à la base, celle-ci serait de 1975 et celle-ci, voilà, je dirais de 88. Mais non, voilà, le brusque passage au tout plastique et aux couleurs un petit peu cheap, hein, voilà, qui annonçait tout doucement la vague de G2. Voilà, autre comparaison avec une dernière petite Porsche qui est également Jazz, hein, puisque bon là j'ai pas d'autres modèles, je ne connais pas vraiment d'autres Porsche chez les Transformers. Voilà, donc la gamme Chug Legends. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors pour la transformation, donc on a quelque chose d'extrêmement simple, mais alors vraiment c'est tellement simple que c'en est désarmant. Donc on va commencer par retirer ces deux petits blasters à photons à l'avant. Nous prenons l'arrière. Voilà. On vient faire basculer. Voilà, si je vous montre l'undercarriage, hein, voilà, on a déjà deviné comment est fichu le véhicule. On écarte le bras, on fait un demi-tour, on sort les poings, et voilà, les bras sont formés. Reste plus qu'à basculer, voilà, le capot vers l'arrière, et voilà, notre Nagbit est transformé. Alors, je vais reculer un petit peu et remonter par la même occasion la caméra rouge. Voilà. Donc ça fait tout drôle, hein, si on compare par rapport à d'autres TF, ça peut choquer. Je le comprends. Mais bon, moi je trouve ça trop stylé. Enfin, moi j'adore, quoi, je suis fan. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi je suis fan. Parce que l'air de rien, cette gamme a apporté quand même son lot de nouveautés. Alors, où est passé? Ah bah je l'ai laissé dans le cockpit, alors oui. Je peux toujours chercher après. Voilà. Donc, notre ami Guzzle. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous prenons ce dernier. Nous plions complètement. On vient prendre ce qui forme le fauteuil. Et cette fois-ci, voilà. On place la tête à l'intérieur. Et ça vient former son casque. Ensuite, on prend donc les deux petits pistolets photons. Et on les place sur le côté. Voilà, pour former un genre de. Voilà, un style d'antenne un peu. Et voilà, donc nous avons la tête de notre ami Nightbeat. Voilà. Alors, je vais faire un petit focus sur le visage. Voilà, donc très très sympa. Hein. Le visage, j'aime bien, voilà, on a ce côté géant, quoi. Les proportions, la tronche est vraiment super bien faite, hein. Ça vient rattraper un petit peu l'ensemble. Alors, petite gimmick assez sympa, aussi, donc qui faisait aussi l'attrait de cette gamme Headmaster, c'est qu'en fait, presque toutes les têtes Headmaster, je dis presque, mais toutes les têtes Headmaster, il me semble, étaient compatibles les unes aux autres. Et donc, on avait au niveau du chest, vous voyez, juste ici, une plaque qui venait nous indiquer donc la vitesse, la force et l'intelligence de ce dernier. Et donc, pour connaître un petit peu ses skills, il suffisait donc de loquer la tête dessus. Et voilà, on a voilà, les skills qui apparaissent juste ici. Et donc, c'était plus ou moins différent selon le Transformer, selon le Headmaster qu'on venait placer. Voilà, autre gimmick donc qui venait apporter quand même
son petit lot de nouveautés dans l'univers Transformers de l'époque. Donc on avait les Headmasters pour la tête, on avait les Target Masters qui étaient eux des robots, enfin des humains dans des combinaisons qui leur permettaient de se transformer en armes. Et puis on a eu également des Power Masters, donc qui là c'était des humains toujours dans des tenues de combat qui se transformaient en moteur de façon à décupler ou à renforcer ou améliorer donc le Transformers en question. Voilà un petit peu pour notre ami Nightbeat. On va faire un petit focus dessus. Voilà un petit peu donc notre ami Nightbeat. Alors en termes d'articulation, donc on va constater que les articulations sont tout aussi restreintes et simples que la transformation. Donc nous avons quand même la tête là, qui pivote, mais c'est voilà quoi, c'est même pas un degré. Ensuite, nous avons donc ces longs bras. Là, c'est dommage, j'aurais bien voulu une articulation, mais bon, à l'époque, c'était pas prévu ainsi. Donc un 360, oui, avec voilà les épaules. Nous avons les mains donc qui peuvent juste voilà se positionner ainsi. Pas d'articulation au niveau du bassin, c'est fixe. Pas d'articulation au niveau des jambes. Si on veut plier la jambe, on plie les deux jambes. Voilà, pour mettre en position prière. Voilà les super articulations. Hein. Mais comme je le dis, c'est le style du jouet qui apporte son charme aujourd'hui encore plus. Pour les vieux nostalgiques que nous sommes des G1, ça fait pas partie des plus beaux Transformers. Mais voilà, ça avait quand même le mérite d'apporter quelque chose. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve avec les Titan Master, donc toute une gamme qui va plus s'arrêter, je crois. On va en chier pendant des mois et des mois et des mois. Voilà, qui nous sort donc une multitude de Transformers, donc de ce type de Headmasters. Voilà, je vais y arriver. Pas de souci, hein, je vais y arriver, hein, ce week-end. Voilà donc pour les articulations, petite rotation donc pour voir un petit peu voilà de quoi en retourne notre petit ami Nightbeat. Voilà, rien de transcendant. Donc il fait partie de ces gammes en fait très très simplifiées qu'on avait à l'époque, comme on pouvait l'avoir voilà par exemple avec ces deux pretenders, donc à savoir Chainclaw et Bomburst. Voilà, donc des choses extrêmement des couleurs très flashy, des articulations banales quoi. Bon, ces petits Transformers là, on avait également dans le même style donc les Target Master. Alors je n'ai plus malheureusement ces deux armes, mais là voilà le petit Pearl Landfill. Ah, ça faisait partie vraiment de cette nouvelle gamme de Transformers G1 qui disait complètement adieu au die-cast et bonjour au 100% plastique et qui venait simplifier quand même pas mal de choses. Et encore là, ça va, ça reste assez propre avec l'enfil. Mais sinon, excusez-moi, c'était quand même pas coteau contour. Voilà. Donc, pour la petite aparté numéro 2. Donc on va pouvoir faire un petit comparatif cette fois-ci donc avec les Transformers que je viens de vous montrer, mais en mode robot, donc à tout de suite. Voilà, donc nous retrouvons notre ami Nightbeat, donc aux côtés, c'est à nouveau de Bomburst sans sa voilà dans son aspect d'origine, sans sa cuirasse. Nous retrouvons notre Chainclaw, dans sa forme botte. Et puis notre petit Target Master Landfill, voilà, qui sort un petit peu du lot, même si ça reste encore quelque chose d'assez simple. Voilà, une nouvelle époque arrivait. Pour moi, la fin d'une bonne époque. Et puisque moi, je suis resté très attaché, à ces deux, trois premières séries.
J'ai eu un petit peu plus de mal avec les autres, par contre, bon, comme je vous le disais, les gammes de Endmaster et Target Master et Power Master, j'en suis quand même, voilà, très très friand. Donc encore merci à mon pote Fred, hein, de m'avoir permis de compter mon tout premier Headmaster dans ma collection. Voilà, je suis super content. Merci encore, poteau. Voilà, une dernière petite photo de famille avec notre Nightbeat, cette fois-ci en compagnie donc de jazz et de voilà, les modes Porsche dans leur mode botte. Et voici nos trois Porsche réunis pour clôturer cette petite revue spéciale rétro. Voilà. Oh, excusez-moi. Des restes d'une vieille bronchite. Voilà, donc les petits amis, ma revue s'achève pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau moment et puis bah, voilà, que vous avez apprécié de découvrir ou de redécouvrir ce Transformers d'une gamme assez atypique, il faut l'avouer, hein. Et pour le coup, Hasbro et Takara aujourd'hui avec le retour des Titan Returns offre malgré tout un bien bel hommage pour certains personnages, je précise bien pour certains personnages, Garou Ritoul. Voilà les petits amis, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, faites attention à vous, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Bon week-end et bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont. Faites attention à vous et à très bientôt. Au revoir les petits amis. Bye bye. Tchuss. Ouais, c'est moi. Allez, à bientôt les petits amis. À la revoyure. C'est moi. Je suis un Endmaster maintenant. Ouais, et tes stats sont proches du néant. Oh l'enfoiré.